Cet adversaire, allô, Jacques-Marie, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Et c'est le moment de nous plonger dans les archives d'Europe 1 avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, votre chronique sera sportive aujourd'hui. Après la trêve de Noël, c'est la reprise de la Coupe du Monde de ski depuis hier, au programme notamment l'épreuve de slalom femme en Autriche. Et justement, c'est là-bas que nous allons pour les championnats du monde de ski, mais en 1958, Victor. Oui, c'était la toute première fois qu'Europe 1 suivait une compétition mondiale de ski. Et qui d'autre pour ça à l'époque que la grande voix du sport, Fernand Choisel? Ici Bad Gastein. Les championnats du monde de ski commenceront ce matin à 10h30 par le slalom spécial messieurs. Avant le début des épreuves, il évoque les favoris autrichiens, notamment le mythique Tony Seller avec Émile Allais, légende du ski français. Il a été le grand champion ces dernières années. Là, dans cette spécialité, je crois qu'il sera pratiquement imbattable. Et dans les autres spécialités? Il m'a paru moins bon en descente. Moins bon, mais trois fois champion du monde cette année-là sur quatre catégories. Et l'argent en slalom. Et côté français alors, Victor? Eh bien, c'est pas très reluisant. Deux médailles de bronze chez les hommes, c'est vrai, dont celle de François Bonlieu en géant, au bout du suspense. On a frémi dans le clan français lorsque le Suisse Roger Staub est descendu à son tour, car il paraissait en mesure de ravir la troisième place à François Bonlieu. Le chronomètre indiqua 1 minute 53 secondes 9 dixièmes, même temps que François Bonlieu. Pas mieux chez les femmes en l'absence de la leader Thérèse Leduc blessée. Aucun podium finalement. On parle surtout de la blessure de Charles Boson. Il a effectué une cabriole magistrale à 150 mètres de l'arrivée au passage d'une porte particulièrement difficile. Charles Boson perdait l'équilibre, partait en avant et faisait une chute terrible sur la tête. Transporté à l'hôpital pour être radiographé, Charles Boson souffre d'une fêlure d'une vertèbre. Revanche prise 4 ans plus tard aux Mondiaux de Chamonix où il sera sacré en slalom.